Harvey Weinstein, âgé de 70 ans, s'apprête à subir son deuxième procès pour agression sexuelle. L'ancien producteur purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement pour des agressions et des viols commis dans l'État de New York. Et sa possible condamnation pour des crimes similaires perpétrés en Californie entre 2004 et 2013 pourrait lui valoir jusqu'à 140 ans de prison de plus. 5 années se sont écoulées après l'enquête du New York Times, qui a révélé au grand public les agissements de l'ancien magnat d'Hollywood. 5 années où des milliers de femmes dans le monde ont pris part au mouvement MeToo, moi aussi. Selon l'avocate de Jury Pop, le mouvement a permis plusieurs avancées. À chaque mouvement de dénonciation, on remarque une hausse des plaintes et des dénonciations formelles à la police. Puis deuxièmement, c'est à ces vagues de dénonciations-là qu'on doit les modifications dans le système de justice. Je pense aux projets pilotes de tribunaux spécialisés qui sont en train de se déployer à travers le Québec. Plusieurs survivantes d'agressions ont eu aussi le sentiment d'être plus entendues. Je pense que j'ai reçu comme une centaine de témoignages de personnes qui me disaient « Ah, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis ». C'est super intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont dans leur processus judiciaire, qui se retrouvent dans ces communautés, donc des personnes qui parlent de leur expérience passée alors qu'elles, elles sont en train de le vivre au moment même où elles entendent ces témoignages, bien, ça leur donne souvent de la force. Annick Charrette, qui a encaissé l'acquittement de Gilbert Rozon à son procès pour viol et atteinte à la pudeur en 2020, y voit certains enseignements. Même en étant victime, même en ayant été piétinée, en ayant été asservie, je me dis debout maintenant. Puis ça, je pense que c'est ce que les victimes veulent, être debout puis regarder leur agresseur en face et dire « c'est terminé, tu n'en feras plus d'autres victimes ». Ce que moi, je pense, c'est que cette conversation-là ne pourra plus s'éteindre maintenant. Parce que selon elle, moi aussi, a percé bien au-delà du monde de la culture. Il concerne désormais tous les travailleurs, les rapports hommes-femmes et l'ensemble de la société. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.